Bonjour, l'objet de cette leçon est d'expliquer comment enregistrer en comptabilité les frais de transport pouvant apparaître sur une facture. Commençons par étudier le cas des acquisitions d'immobilisation. L'acquisition d'une immobilisation entraîne souvent des frais annexes qui apparaissent sur la facture. Nous allons partir de l'exemple suivant. Le 14 mars, acquisition d'une machine-outil chez le fournisseur Machinastar. La facture numéro 4520 fait apparaître un prix d'achat hors taxe de 4500 euros, auquel s'ajoutent des frais de transport de 300 euros et des frais d'installation de 150 euros. La TVA est à 19,6%. Pour enregistrer cette facture, nous devons tout d'abord calculer le coût d'acquisition de cette machine-outil. Le principe que nous allons appliquer est le suivant. Les frais accessoires doivent être intégrés dans le coût d'acquisition de la machine. En l'occurrence, ici, les frais accessoires se composent des frais de transport et des frais d'installation. Par conséquent, le coût d'acquisition de la machine s'élèvera à 4 500 euros plus 300 euros plus 150 euros, c'est-à-dire 4 950 euros. C'est ce montant-là que nous allons devoir enregistrer au débit du compte 2155 Outillage industriel. Sur ce montant hors taxe, nous calculons une TVA à 19,6% qui va donc s'élever à 970,20 € que nous enregistrons dans le compte 44 562 TVA sur immobilisation. Le total de la facture est égal au montant hors taxe plus la TVA, c'est-à-dire 5 920,20 € et s'enregistre dans le compte 404 fournisseur d'immobilisation pour constater la dette que nous avons sur notre fournisseur Machinastar. Nous retiendrons donc que les frais accessoires engagés lors de l'acquisition d'une immobilisation, c'est-à-dire les frais de transport, de montage, d'installation, les droits de douane à l'importation, sont à incorporer au coût d'acquisition de l'immobilisation. Par conséquent, ils ne s'enregistrent pas dans un compte spécifique, mais sont intégrés dans le compte de classe 2 concerné par l'achat. Abordons maintenant le cas des autres achats. Première situation, une vente aux conditions franco de port. Dans ce cas, aucun frais de port n'apparaît sur la facture, c'est le fournisseur qui les prend en charge. Notre exemple est le suivant. Le 25 novembre, notre entreprise livre deux clients dont les achats ont été effectués aux conditions franco de port. L'entreprise utilise son propre véhicule, conduit par l'un de ses salariés pour livrer le client courroux, et l'entreprise fait appel à un transporteur pour livrer le client Denis. La facture numéro 3287 reçue du transporteur fait apparaître un montant hors taxe de 50 euros, TVA 19,6%. Enregistrons ces opérations dans notre comptabilité. La première situation, celle où nous utilisons notre propre véhicule, n'entraîne aucune écriture spécifique. En effet, les frais de transport sont alors constitués par les charges de personnel et les frais entraînés par l'utilisation du véhicule. Dans la deuxième situation, là nous allons devoir enregistrer le service dont a bénéficié notre entreprise en faisant appel à un transporteur. Par conséquent, à la date de l'opération, c'est-à-dire le 25 novembre, nous allons devoir enregistrer ce service dans un compte de classe 6. En l'occurrence, il s'agit du compte 6242 Transport sur vente. Sur ce montant-là, nous calculons bien évidemment une TVA sur autres biens et services au taux de 19,6%, soit un montant de 9,80 €. Et le total de la facture apparaîtra dans le compte 401 fournisseurs, où nous enregistrons donc la dette que nous avons sur le transporteur. Dans la deuxième situation,
nous allons supposer que le client paye un transporteur pour enlever les marchandises chez le fournisseur. Dans ce cas, le fournisseur ne facturera pas le transport. Notre exemple est donc le suivant. Le 13 septembre, notre entreprise reçoit la facture d'un transporteur pour l'enlèvement des marchandises qu'elle a achetées chez son fournisseur Tilu. La facture numéro 5903 mentionne un montant hors taxe de 400 euros avec une TVA à 19,6%. Enregistrons cette opération dans notre comptabilité. Nous avons fait appel à un transporteur qui va nous permettre de transporter les marchandises que nous venons d'acheter. Par conséquent, nous avons bénéficié d'un service, donc un flux physique d'entrée court terme pour nous, qui va s'enregistrer dans un compte de classe 6, en l'occurrence 6241 transport sur achat pour 400 euros. Sur ce montant, nous calculons bien évidemment la TVA sur autres biens et services, 78,40 euros, et le total de la facture apparaîtra au crédit du compte fournisseur 401 pour 478,40 euros. Il s'agit de la dette que nous avons sur le transporteur et que nous devrons payer. Dans un troisième cas, nous allons étudier la situation où le fournisseur expédie la marchandise en facturant des frais de port forfaitaires. Ce service, procuré par le fournisseur à son client, est soumis à la TVA au taux normal. Si les biens achetés par le client sont soumis à une TVA au taux réduit, il apparaîtrait donc deux taux de TVA et par conséquent deux montants de TVA sur la facture. L'exemple que nous allons traiter est le suivant. Le 24 juillet N, l'entreprise Tilu facture à son client Denis une vente de marchandises, 500 euros hors taxe. La facture mentionne des frais de port pour 40 euros hors taxe. Commençons par enregistrer cette opération dans la comptabilité du fournisseur Tilu. Tilu vend des marchandises à son client et facture un transport qui représente donc pour lui un produit d'activité annexe puisqu'il ne correspond pas à l'activité principale de l'entreprise. Par conséquent, nous allons retrouver dans notre écriture le compte 707 vente de marchandises qui enregistre bien évidemment normalement le flux physique de sortie correspondant à la vente et dans un autre compte, nous allons enregistrer le service, c'est-à-dire le transport, dans le compte en l'occurrence numéro 7085, port et frais accessoires facturés. C'est sur la totalité de ces deux montants que nous allons calculer la TVA apparaissant sur la facture. Elle se calcule ici à 19,6% et apparaît dans le compte 44571, TVA collectée. La totalité de la TVA et des montants hors taxe nous donne le montant TTC de la facture qui est due par notre client et que nous enregistrons bien évidemment dans le compte 411 client. Enregistrons maintenant la même opération dans la comptabilité du client Denis. Pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises qui va s'enregistrer pour son montant hors taxe dans le compte 607, auquel il convient d'ajouter l'achat d'un service de transport qui s'enregistre également dans un compte de classe 6, en l'occurrence 6241, transport sur achat. La TVA calculée sur ces deux montants hors taxe est pour le client une TVA déductible sur autres biens et services, et la totalité de la facture, 645,84 euros, représente une dette sur le fournisseur que nous enregistrons dans le compte 401. Pour le client, le transport est un service extérieur, nous l'avons pour cela enregistré dans un compte 62,
peu importe qu'il soit assuré par le fournisseur, comme c'est le cas ici, ou par une entreprise de transport. Dans un quatrième et dernier cas, nous allons étudier la situation où le fournisseur débourse le transport et le client lui rembourse ses frais au centime près. Nous parlons alors de port débours. La situation est la suivante. Le 3 avril, l'entreprise Tilu fait appel au transporteur Fast pour livrer des marchandises à son client Kourou. Le transporteur lui remet la facture numéro 437 où il évalue sa prestation à 120 euros hors taxe plus la TVA. Nous avons cette facture ici. Le 5 avril, Tilu envoie la facture numéro 5904 concernant les marchandises à son client Kourou, 1000 euros hors taxe, et refacture sur cette même facture les frais de transport au client. Cette facture apparaît ici. Nous pouvons y voir le montant brut des marchandises et les frais de transport pour 143,52 euros qui sont donc refacturés au centime près. Enregistrons dans un premier temps ces deux documents dans la comptabilité du fournisseur Tilu. La première facture correspond pour le fournisseur à l'acquisition d'un service. Nous allons donc l'enregistrer dans un compte de classe 6, en l'occurrence 6242, transport sur vente. C'est sur ces 120 euros que seront calculés les 23,52 euros de TVA enregistrés dans le compte 44566. Bien évidemment, la totalité de la facture, 143,52 euros, apparaîtra au crédit du compte 401 fournisseur. Dans un deuxième temps, nous devons enregistrer la facture que Tilu envoie à son client Kourou. Il s'agit d'une vente de marchandises que nous allons retrouver au crédit dans le compte 707, vente de marchandises, pour 1000 euros, qui est le montant hors taxe des marchandises vendues. La TVA collectée sur cette vente, 196 euros, apparaîtra bien évidemment dans le compte 44571, TVA collectée. Quant aux frais de port qui ont été refacturés au client, eh bien, ce sont ceux qui avaient été facturés par le transporteur au fournisseur Tilu. Il convient donc d'annuler la charge et la TVA déductible qui avaient été constatées le 3 avril. Par conséquent, dans notre écriture, nous allons replacer 6242 transports sur vente pour 120 euros, et 44566 TVA sur autres biens et services pour 23,52 euros. Ce faisant, ces deux comptes sont soldés. Et cela annule donc l'écriture relative à la facture du transporteur. Il ne nous reste plus qu'à constater la créance que notre entreprise a sur son client, qui s'élève à 1339,52 euros. Et que nous enregistrons dans le compte 411 clients. Enregistrons ces mêmes opérations dans la comptabilité du client. Le client, quant à lui, n'a à enregistrer que la facture numéro 5904 du 5 avril. Pour lui, il s'agit d'un achat de marchandises pour une valeur de 1000 euros. Auquel s'ajoute un transport sur achat, donc une prestation de service d'une valeur de 120 euros enregistrée dans le compte 6241. Nous n'oublions pas d'enregistrer la TVA déductible sur l'ensemble de la facture, 219,52 euros, c'est-à-dire 1120 euros fois 19,6%. Et nous constatons enfin la dette du client sur son fournisseur pour le montant TTC de la facture. La totalité de la TVA est déductible pour le client. Pour lui, la situation est en fait la même
que s'il avait payé directement le transporteur.